Bonjour à tous, c'est Jojol, et oui, comme vous l'avez vu avec le titre de la vidéo, je vais vous présenter des copies d'iPhone 5S. Comme vous savez, sur internet on trouve de tout, et j'ai décidé de vous présenter des clones d'iPhone 5S pour vous montrer comment on peut se les procurer, et surtout les différencier par rapport aux vrais, pour éviter justement de vous faire arnaquer par des annonces plutôt alléchantes présentes sur des sites comme eBay ou Le Bon Coin. Ces smartphones sont en réalité des clones plutôt bien réussis, les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un iPhone peuvent avoir du mal à différencier le vrai du faux, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai justement deux faux iPhone 5S en ma possession, le Gold et le Gris Sidéral. Au niveau du design, on a un smartphone qui est à première vue un véritable iPhone 5S, mais quand on l'a en main, ça change tout de même, surtout lorsqu'on a déjà utilisé un iPhone 5S. L'appareil est légèrement plus lourd, à droite j'ai un véritable iPhone 5S et à gauche une copie. Comme vous pouvez le remarquer, on a une différence de 6 grammes, ce qui est quand même assez peu. Le contour et le derrière sont en plastique, vous avez à gauche les boutons volume ainsi que le bouton silencieux, à droite on retrouve l'emplacement pour mettre une nano SIM. En bas, on retrouve la prise jack avec un haut-parleur, un micro et un véritable port lightning. Oui, vous pouvez prendre un câble lightning officiel et charger ce faux iPhone 5S. On a devant un appareil photo de 0,3 mégapixels, un capteur, un haut-parleur, un bouton home qui reprend le design du Touch ID mais qui est un bouton tout simple. Vous n'allez pas déverrouiller votre appareil avec votre doigt par exemple. Derrière, on aperçoit un dos qui ressemble à un véritable iPhone 5S mais sans avoir le logo de la pomme. On a un appareil photo de 2 mégapixels avec deux flashs. J'ai réalisé quelques comparaisons entre un réel iPhone 5S et un faux iPhone 5S. Et là, pour le noir par exemple, la couleur de l'arrière est plus sombre sur le vrai, le réel. Au niveau du flash, on voit que c'est pas du tout la même chose. Par contre, en ce qui concerne les boutons, ils sont plutôt bien placés, il n'y a pas réellement de différence. Seulement au niveau du support de nano SIM, il est bien plus gros sur le faux iPhone 5S, et vous avez aussi les vis qui sont pas les mêmes. Le clone est fin, mais il reste quand même plus épais que le véritable iPhone 5S à cause de l'épaisseur de l'écran qui n'est pas du tout le même, il est bien plus épais comme vous pouvez le remarquer. J'ai fait la comparaison également avec la version Gold, et c'est celui qui est le plus ressemblant. Étrangement, les photos que j'ai prises, on n'a pas l'impression que ce sont les mêmes couleurs, mais quand on regarde en vrai, et ça je peux vous l'assurer, on a vraiment du mal à voir la différence. À l'intérieur de l'appareil, on a une ROM Android 4.2.2 qui reprend la présentation de l'iOS 7. Vous pouvez téléphoner, envoyer des SMS, télécharger des applications, des launchers directement sur le Play Store. C'est un véritable smartphone, j'insiste sur ça. Au niveau du lock screen, c'est pareil, on a l'heure, la date, la possibilité d'ouvrir l'appareil photo, afficher le centre des notifications ainsi que le control center. On a vraiment les principales fonctionnalités de l'iOS 7 qui marchent parfaitement sur ce téléphone. Le Control Center, donc pour activer, désactiver rapidement le mode avion, la Wi-Fi, le Bluetooth, le mode ne pas déranger, l'orientation, on peut modifier la luminosité, mettre de la musique, activer le flash, vous voyez, ça marche très bien. On peut ouvrir le chronomètre, la calculette ou encore l'appareil photo. On a aussi Spotlight, donc le mode recherché. On est sur notre springboard, sur n'importe quelle page. Je fais un slide vers le bas pour afficher un clavier afin de faire une recherche d'une application, par exemple, que j'ai installée sur mon smartphone et que je désire ouvrir, rechercher rapidement. Enfin, pour finir, le multitâche. On appuie deux fois sur le bouton Home. On navigue sur les applications qu'on a ouvertes dernièrement. On peut les ouvrir en appuyant dessus, les enlever en arrière-plan en les glissant du bas vers le haut. C'est vraiment comme l'iOS 7. Sachez aussi que la plupart des applications ressemblent parfaitement aux véritables applications présentes sous l'iOS 7, comme l'appareil photo, les notes, la bourse, la calculette, la musique, le téléphone, les messages, les réglages ou encore l'horloge. On retrouve quelques ressemblances avec l'iOS 6 comme les dossiers, on n'a pas du tout le même effet que sur l'iOS 7. Les applications comme Safari, Calendrier ou encore Dictaphone ressemblent à l'iOS 6. Le faux iPhone 5S a une application gestion de fichiers qui vous permet de naviguer et faire des modifications sur votre smartphone, c'est plutôt pratique. On a une application App Store qui est en réalité inutilisable.
Il faudra télécharger toutes vos applications directement sur le Play Store. Vous pouvez télécharger, comme je vous ai dit, tout ce que vous souhaitez, des jeux, des launchers. Par exemple, le jeu Temple Run, ben, je l'ai téléchargé. Il se lance correctement. Bon, après, il n'est pas exceptionnel, ce téléphone, en termes de jeu, mais il peut quand même faire tourner quelques applications qu'on utilise assez souvent sur notre téléphone. Sachez tout de même que la mémoire du téléphone n'est pas extensible et qu'elle est limitée car vous avez uniquement 4 Go de mémoire stock, dont 2 Go qui est utilisé par Android. L'appareil possède un écran avec une résolution de 854 par 480 pixels. C'est pas du tout la même chose qu'un véritable iPhone 5S. Je tiens à préciser également que lorsque l'écran est blanc, on voit quelques traces de colle, donc la qualité n'est pas exceptionnelle. En RAM, vous avez 512 mégas, en processeur 1 GHz. Double cœur, ce smartphone vous pouvez l'avoir chez des grossistes chinois comme Tianindil au prix de 70€ environ. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Le mobile est fourni avec une boîte blanche, l'appareil est bien protégé, il a d'ailleurs un écran de protection qui est déjà installé dessus. On nous donne avec une copie d'un câble Lightning avec son chargeur secteur USB pour charger ce smartphone. Puis nous avons des écouteurs avec micro, un deuxième écran de protection et pour finir le manuel. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Sinon je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut !